Et encore des gros bisous, mes amours adorés. Je suis trop contente de vous retrouver pour une petite recette et qui, j'espère, vous plaira. Alors, je suis pas bien installée là. J'ai l'impression que je suis carrément trop près de la terre, mais j'ai pas assez de recul. Bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous pose toujours cette question, mais c'est super important. Voilà, et puis, comment dire, bon, moi, c'est que du bonheur, hein, quand je vous retrouve, vous le savez, hein. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre avant, je ne sais plus, déjà, ça commence, hein, ça commence fort, en général, quand je commence la vidéo, ça commence fort. Oui, donc, ça va être une petite recette qu'un petit garçon m'a donnée. Voilà, donc, je ne saurais pas, les ingrédients, je sais, mais je ne pourrais pas vous dire la... Comment dire le... comment on dit donc, oh, ça commence. Qu'est-ce que c'est pénible quand même. La quantité. Voilà, la quantité. Bon, enfin bref. Bon, alors qu'est-ce que j'allais dire. Entre parenthèses, je referai peut-être une vidéo prochainement. Enfin bref. Parce que en ce moment, je vous assure qu'avec la maison qu'on doit acheter, mais oh, c'est la prise de tête, quoi. La prise de tête, mais incroyable. Mon atelier arrête de plaindre. Non, mais 5 minutes, hein. Ton chrono, 5 minutes. Après, je marche, j'arrête de me plaindre. Non, mais simplement vous dire, franchement. Bon, vous savez que je partage tout avec vous, hein. De toute façon, vous le savez. Mais écoutez, c'est une horreur. Mais c'est une horreur. On déménage le mois prochain à zen. Ah, bah là, franchement, il faut vraiment être zen. Je vous assure, parce que franchement. Même Fabien, on en a marre, quoi, on en a marre, il y a toujours des papiers qui manquent. Bah oui, parce que, oh là là, Nathalie, c'est une recette, oh là là. Non, mais brièvement, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était, il y a la maison qui est attachée avec le magasin. Et nous, donc, on veut la transformer en habitation. Mais alors, c'est un truc de folie, quoi. Franchement, c'est un truc de fou, je ne m'attendais jamais à des choses comme ça. Enfin, bon, bref, hein, c'est pas le but de la vidéo, voilà. Bon, alors, je sais pas si vous avez vu, mais celles qui me suivent sur Insta et sur Snap, vous avez vu, je publie beaucoup, hein. En ce moment, je fais beaucoup de petites, des ATC, des petites cartes. Oh, je suis à fond dedans, à fond, en mode ATC, en mode carte, bon, enfin, voilà, quoi. Donc, je suis contente. Alors, je vous les montrerai, certainement, prochainement. Et puis, au fait, vous avez vu, j'ai pas mis de vernis, bon, non, parce que pour une recette, regardez. Oh, j'ai une tête chiffonnée, quoi. Oh, heureusement, non, mais en ce moment, je suis un peu fatiguée, quoi. Là j'ai mis le paquet d'anticernes, là, un truc. Merci, l'anticerne. Regardez. Elles sont belles, hein. Enfin, je sais pas. Pour moi, je les trouve super jolies. Elles sont longues. Enfin, elles sont grandes, mais moi, j'adore ce qui est bien visible. Hein. Bon, enfin, voilà. Je les ai mises parce que j'avais envie de les mettre avec mon petit pull rose. Mais aussi, j'en ai acheté une paire pour vous, des marrons. Voilà, elles sont marrons. Et comment dirais-je, et je vous les mettrai dans un jeu concours. Bon, entre parenthèses, comme je vous disais, on déménage le mois prochain. Donc, il y a peut-être des moments où vous ne me verrez pas sur YouTube. C'est impossible. Je n'arriverai pas de toute façon parce que là, franchement, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que waouh. Mais franchement, ouais, prise de tête, quoi. Enfin bon, de toute façon, hein, vous connaissez mon côté optimiste. Moi, je me dis, bon, ça va bien s'arranger. Mais enfin, bon, en attendant, c'est quand même un peu pénible. Bon, enfin bref, ceci étant, c'est pour dire que je vous en mettrai dans le jeu concours prochainement. Quand je sais pas, j'en sais rien. Et puis voilà. Et puis, je vous ferai aussi une vidéo remerciement. Waouh, j'étais gâtée. J'en ai chaud. J'étais gâtée, mais alors, bon, enfin bref. Donc, voilà. Alors, donc, là, on va faire la petite rideau. La petite rideau, j'allais dire. Ah ouais, non mais... Ah ouais, en fait, entre parenthèses, je suis contente parce que j'ai réussi à trouver un autre médecin. C'est pas facile, hein, quand on change de docteur, mais alors là, génial. Entre parenthèses, vite, Nathalie, dépêche-toi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je suis trop contente. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être... Quand quelqu'un vous écoute, enfin, surtout un docteur... Et je suis trop contente, donc je vais parler de mes problèmes de magnésium, hein, pour ne pas revenir là-dessus. Et ouais, vraiment compréhensive et tout. Donc elle m'a dit, écoutez, comme c'est la première fois que j'allais chez elle, elle me dit ce qu'on va faire déjà, là c'est un dosage. Déjà voir un petit peu, vous savez, magnésium, calcium, enfin bon, tout ça. Donc ce qui fait qu'en ce moment, je n'en prends pas. Donc, bon, enfin bref, enfin voilà, bon, allez, hein, c'était une petite parenthèse. Bon, alors comme je vous disais, les ingrédients, je les ai.
Évidemment, il faut trois ingrédients. Je ris parce que voilà, j'ai demandé à Fabien hier de m'acheter une bombe de chantilly. Alors là, c'est vraiment le maxi format, quoi. Je ne sais pas s'il y a plus gros, mais enfin, bon, bref. Bon, et alors, il faut des spéculoos. Alors, spéculoos, hein, vous mettez spéculoos, la marque, voilà, hein, je demande à Fabien de me ramener ça. Des pommes. Alors, combien il en faut, je ne sais pas. Donc, lui, il m'en a mis. Il m'en a acheté. Hop là, une, deux. Tiens, je pense que quand je ferai le jeu concours, je vais le faire avec Fabien. Je pense. Alors, deux, quatre, six, il m'a acheté cette pomme. Ah, une drôle de tête, celle-là. J'espère qu'elle n'est pas abîmée. Donc, cette pomme, six, sept, ça dépend le nombre de. Là, c'est pour faire des verrines, en fait. Moi, je vais en les mettre dans des coupes, parce que des verrines, non, avec le nombre main. Et donc voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire, bon, après je vais couper, puis hein, je vais faire. Alors, en premier, il faut éplucher et couper les pommes. Donc, en premier, je vais couper les pommes, les éplucher, les couper. Et après, on les fait chauffer dans une poêle. Donc, je vais faire ça, je vais préparer ça, je vais couper. Et puis, on se retrouve donc tout de suite après. Je les ai mis dans la poêle, j'ai pas mis de matière grasse, hein, du tout, du tout. Et puis je les mets à feu doux hein, quand même parce que je voudrais pas que ça brûle. Alors moi j'ai mis en morceaux comme ça, mais maintenant si je sais pas si vous voulez faire en morceaux beaucoup plus petits, ça c'est comme vous voulez. Hein. Comme je vous disais, moi je découvre la recette, donc je fais vraiment, je l'ai pas faite avant, donc je fais vraiment comme ça. Hein, voilà. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Non, bah après on va mixer donc les spéculaas. Voilà. Enfin, ils disent des verrines, mais moi j'ai pris des grandes coupes comme ça. J'ai mixé donc les spéculoos, j'en ai mis 32. Alors c'est peut-être trop, hein, ça c'est possible, je ne sais pas du tout. Donc il faut les mettre dans le fond de votre verrine ou de la coupe. Hein, voilà. On va mettre donc tous les spéculoos. Je ne sais pas, ça sera peut-être trop. Bon, c'est vrai que je suis gourmande, je sais, j'avoue. J'avoue, 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 j'avoue. J'avoue, j'avoue, toc et toc. Il y a simplement quand on aura goûté que je vous dirai si vraiment c'était trop sucré, quoi. Hop, voilà. Bon, je vais finir de remplir donc mes verrines et puis on se retrouve tout de suite après. Les verrines. Bon, je pense, franchement, ça va faire quand même beaucoup. À mon avis, je pense qu'avec 25 spéculoos, ça aurait peut-être été suffisant. Bon, là, c'est à vous vraiment de voir, quoi. Hein. Bon, moi, j'ai tout mixé. Bon, bah, tant pis. Hein. Mais j'aurais dû, admettons, mixer 20. J'aurais dû déjà remplir mes coupes. Et puis après, j'aurais vu ce que ça donnait. Bon, bah, tant pis. Je me suis dit, je vais pas le jeter. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus, donc, tous les petits morceaux de pommes. Donc, vous voyez, mes petites coupes, elles sont faites. J'ai mis tous les morceaux de pommes au-dessus, hein, des spéculoos. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est mettre là, oh là là, la chantilly. Alors là, le big, hein, le big truc. Hein. Oh, bon, alors là, sachant que je vais m'amuser à remplir la truc, hein, les coupes. Mais bon, moi, là, c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer, hein. Le résultat final, mais sinon j'en faire qu'une, mais les autres je vais déjà les mettre au réfrigérateur, hein, là. Et puis juste avant de les servir, là je mettrai la chantilly, hein, parce que sinon je vais pas laisser les coupes avec la chantilly comme ça pendant des heures au réfrigérateur, hein. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors là, regardez, regardez, Nathalie va s'éclater. Oh my God. Oh, Nathalie, fais-toi plaisir. Allez, 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 fais-toi plaisir. Ah non, mais je me fais plaisir là. Ah là là là. Non, mais vous allez voir. Hein. Et oh, entre parenthèses, la chantilly, dans des vidéos précédentes, je la faisais moi-même. Ça m'arrive de la faire moi-même, mais ça m'arrive aussi de l'acheter. Hein. Comme là, c'était. Oh my God. Attendez. Vous allez voir. Vous avez jamais vu. Non, mais moi, la chantilly, c'est pas ça, hein. Moi, c'est ça, hein. Allez, allez, fais-toi plaisir, fais-toi. Ah, non, mais je me fais plaisir. Comment ça se marche? Comment ça fonctionne? Ah, bah, écoutez, là, je me fais tellement plaisir que ça fonctionne pas. Bon, j'évite d'acheter ces trucs-là, moi, parce que franchement, je suis. Ah, c'est lourd en plus.
J'aime bien faire des petits tourbillons, mais là. Oh my god! Non, mais j'ai pas fini, hein. Attendez, hein. C'est que le début des corps d'accord. Je m'éclate. Ah, j'adore. Vous allez dire, Nathalie, c'est de la folie. Non, 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 c'est normal. Encore un petit peu? Ouais, encore un petit peu. On se fait plaisir, ouais. Ouais, je sais, vous allez me dire, c'est pas bien, je sais, je sais. Voilà. Bon, là, j'arrête, hein. Parce que je vous assure, véridique, hein. Quand je fais des. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'était pas des tiramisu, je crois. Non, je sais plus ce que c'était. C'était des coupes, enfin bon. Et mes enfants, ils viennent manger à la maison. Moi, les coupes, c'est ça, hein. Avec la chantilly, je vous assure, hein. Véridique, hein. Ah ouais, non, mais. Ah ouais. Les coupes de Nathalie, c'est ça. C'est ça, modèle machin. Bon, enfin voilà. Donc, vous voyez, paf, paf, faudrait que je me dépêche de la mettre au réfrigérateur parce que je pense que ça va. Hein, voilà. Bon, alors, donc, ma petite vidéo est terminée. J'espère que vous allez vous régaler si vous la refaites. Donc, bah, je vous dirai, je ne vais pas la mettre dans la vidéo parce que le temps de la publier, tout ça, bon voilà. Je la mettrai donc en dessous, voir si vraiment c'était trop sucré ou il faut mettre quand même moins de spéculoos. Mais bon, maintenant, j'ai beau dire ça, peut-être que pour moi, ça va être impeccable et puis que vous allez dire, oh non, 32 spéculoos, c'est vraiment trop, quoi. Vous voyez, ça dépend. Hein. Bon, moi, j'avoue que. Ouais, je sais. Ouais, mais mon petit péché mignon, c'est le sucre. Toi, la coupe, là, tu vas pas rester longtemps. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Je veux qu'elle me regarde. Hein. Bon, allez. Alors, donc, avant de terminer donc, ma vidéo, voilà, je vous dis tout le temps, mais je vous remercie donc à chaque fois. Je vous remercie du fond du cœur donc, pour tous vos adorables messages, pour notre belle complicité. Notre belle amitié. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à chaque fois, c'est que du bonheur. Hein. Je peux rien dire d'autre, quoi. Et puis, je remercie aussi, évidemment, hein, comme je le dis à chaque fois, donc toutes celles et ceux qui viennent donc nous rejoindre. Hein. Comme je vous dis, où? Dans la grande famille de Nathalie. Bon, voilà, vous direz, complètement folle, elle, hein, vous fait une recette de vidéo, elle chante, enfin bon, vous me connaissez, hein, vous me connaissez depuis le temps, hein, depuis le temps, hein, depuis le temps qu'on se connaît, hein, voilà. Bon, alors, donc, je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, si, je pense, une bonne semaine, hein, je ne sais pas du tout quand on se retrouve. Je sais pas du tout. J'avais fait, oh, c'est une petite vidéo super simple. J'avais envoyé un petit colis à ma petite Roxane d'amour. Je te fais des gros bisous. Et puis donc je me suis dit, bah tiens, je vais vous montrer. Je sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Enfin, c'était un truc tout bête. Enfin, un truc tout bête. Je veux dire, non, je veux dire tout bête façon de parler. Je veux dire un petit truc vraiment simple, une petite création toute simple. Ouais, c'était. Oh, je sais plus. Oh, je ne sais plus, enfin bref. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Bon, allez, moi je vous fais des bisous, des gros bisous, mes amours adorés. Encore des bisous. Et encore plein de gros, gros, gros bisous d'amour. Je vous aime, je vous aime, je vous adore.